D'opposition qui doit permettre des ouvertures et des angles. À l'image de celle-ci de Taider en direction de Ferré, maintenant c'est Assouz qui va peut-être pouvoir centrer pour Ferré à nouveau. Un deuxième but, on joue simplement depuis 6 minutes et le Stade de Reims est en train déjà. Juste après la récupération de la balle, Reims essaye d'aller très vite vers l'avant et de jouer dans la profondeur alors que Montpellier est très interrogatif. Jonathan Assouz pour le centre. Une tête au moment de centrer, complètement oublié par Alexis Gambi. Vous voyez, regardez, là le ballon il est perdu, là il y a une bonne ouverture, des bonnes possibilités tactiques. Le joueur le plus en confiance du championnat de Ligue 2, Lamine Sakho, on rappelle, hein, il n'a toujours pas marqué cette saison. Oui, mais à l'image, Julien, de cette action, voilà, donc le danger pour Montpellier. Taider pour une tête, c'était une tête montpelliéraine, récupération derrière, et on était tout proche du 3 buts 1, oui. C'est Jonathan Assouz qui a obligé Jourdan à se détendre, corner pour le Stade de Reims, cette deuxième période commence comme la première, au niveau du rythme en tout cas. Oui, tout à fait. Et puis cet arrêt va donner du moral à la défense de Montpellier et au gardien de but en particulier. Pierre Morgan pour le frapper, détourné par Zodic. Assouz encore pour récupérer, il tente sa chance à nouveau. C'est bien. Ça passe un petit peu plus loin cette fois-ci, mais on sent un joueur en confiance. Jonathan Assouz, on l'avait trouvé très bon en première période. Oui. Il confirme en ce début de seconde. Et ce geste ne vous rappelle rien, Julien? Le geste d'Assouz. La reprise, c'est la première. Ce geste, non, voilà, oui. Je me disais, je ne retrouvais pas ma situation. Sinon, c'est un peu Zidane. Ouais, peut-être pour Forêt, voilà. C'était bien joué. Zodic était là. Assouz pour récupérer le tir d'Assouz.
Thank you.